Chapitre de DBS aujourd'hui, les gars, j'espère que vous allez bien. Comme tu as dit en commentaire, c'est une boucle infinie. Hein. DBS, c'est une boucle infinie. Non, l'arc Granola, avant de rentrer dans le chapitre là, c'est une catastrophe. Il n'a pas avancé depuis qu'il a commencé ce putain d'arc. Ça fait au moins 10 chapitres. Attends, je vais vérifier, mais 10 chapitres que c'est la même baston. Là, c'est le 84, le 74. Oui, c'était Vegeta Granola. Donc quoi, ouais, ça fait 10 chapitres de pur baston. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, c'est plus Granola, là, c'est... comment il s'appelle? Gaz? Non, non, mais je veux dire qu'on est toujours baston, baston, un autre, il enchaîne. C'est-à-dire, Dragon Ball, ça n'a jamais été ça. Tous ceux qui vous disent Dragon Ball, c'est que de la bagarre, c'est des menteurs. Ça n'a jamais été comme ça. Là, c'est vraiment de la bagarre pour de la bagarre, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a jamais été ça dans tout Dragon Ball. Ceux qui disent le contraire n'ont jamais lu Dragon Ball. Cet arc, je pense que c'est le pire arc de DBS. Et pourtant, il y a le choix. Dans DBS, il y a le choix en termes de pire arc, il n'y a que ça. Mais là, je pense vraiment que là, Toyotaro ou Toriyama, ils se surpassent à chaque arc. Chaque arc, il dit, comment je vais faire pire que l'autre? Ok, bah, ce coup-ci, je vais pas faire d'histoire, je vais faire que de la bagarre. Et de la bagarre de merde, hein. Mais je vais mettre de la transfo. Mais bon, les gens vont dire au moins une nouvelle transfo, c'est déjà ça. Mais l'histoire, on s'en fiche. Bagarre, bagarre. C'est atroce. C'est atroce. C'est quand même un truc de ouf, hein. Entre le délire de. Même le flashback de Badak. Ouais, Badak ou Badok, je sais pas comment vous dites. Enfin, je dis Badak. Je suis désolé, hein. Ces gens ont bandé dessus en mode, oh, enfin, on a le truc de Badak, le passé. On n'a rien demandé, c'était nul. Hein. On n'a rien demandé, c'était vraiment nul. Donc, moi, je comprends pas la hype. Là, le chapitre, il commence, on nous met un moment émotion avec Goku hein, qui se rappelle oh, quand j'étais petit, mon daron m'a sauvé. C'est vrai, je me souviens de son visage. Grâce à lui, je reprends confiance en moi. Ça, c'est pas Goku. C'est pas Goku. Je reprends confiance grâce à mon père. Naruto, si tu veux. Naruto, ok, quand il voit son daron, ah, merci papa, maintenant j'ai la force de Nick Pen. Mais pas Goku, Goku, il a 50 piges, frère. Il a fait sa vie, il a ses gosses ont des gosses, il est papy. Il est papy. Wesh, on nous fait quoi? Il est papy, ce bâtard. Donc c'est. Même Vegeta qui dit, ouais, merci. Grâce au père de Goku aussi, je reprends confiance en moi, c'est ton père, je souffle, je souffle. Le délire de Goku a été sauvé grâce à son daron aussi, bon, c'est des trucs comme ça qui font chier, toi, de comment on appelle ça, retcon, un truc qui était dans le passé en essayant de. Non, tu fais de la merde, tu vois. Après, il y a un moment où ils les mettent, tu sais pas pourquoi. Toyotaro, il s'amuse à mettre Vegeta et Goku dans l'armure, avec l'armure de Badak. Ça, c'est pourquoi, c'est pour les figurines. Ça, c'est pour se dire, s'il y a des figurines, s'il y a des trucs comme ça à gratter, voilà, c'est là. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça, parce que aucun intérêt. Deux chapitres après, ils les ont plus. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pas bah, t'as Granola. Granola qui se ramène. Heureux, ils ont retourné leur tenue. Par contre, il y a des pages stylées. La page où ils se transforment les deux, elle est stylée. Mais par contre, j'ai pas compris le délire. D'un coup, à la base, c'était le délire du tête-à-tête, on est des Saiyans, ce qui a toujours été plus ou moins la base depuis. Tu sais, les Saiyans, en fait, ils veulent toujours taper leur tête. Quand ils tapent pas leur tête, c'est qu'ils se disent, là, on a affaire à un mec, si on s'unit pas, il va détruire l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est tête-à-tête. Gaz, son objectif, c'est pas détruire l'univers, que je sache. Tu vois ce que je veux dire? Pour vous dire, j'ai même oublié, c'est quoi son putain d'objectif à lui? À Gaz. C'est quoi son putain d'objectif, déjà? Pourquoi il veut tuer Vegeta et Goku? Dites-le moi, parce que franchement j'ai oublié. Excusez-moi de ne pas être très attentif à ce qui se passe dans DBS, mais si quelqu'un peut me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Quel est le putain d'objectif de Gas? Je me souviens plus. Granola, je m'en souviens, vous les enlevez des Saiyans. Ok. Mais Gas, c'est quoi son objectif? J'ai oublié. Donc si quelqu'un veut bien me le rappeler, ça me rendrait service, hein, parce que franchement. J'en ai aucune idée. Le télévision, ils me disent, même moi, je sais plus. Bah, j'ai l'impression qu'il en a pas. Il veut juste se battre. Il est le plus fort. Je vais tous vous tuer. Je comprends pas. Tu vois,
je sais plus, je sais plus, je sais plus. Donc, il n'en a pas, vous voyez, j'ai envie de vous battre, j'ai envie de vous tuer, parce que, voilà, j'ai envie de vous tuer. Yo, DB, c'est le Kokoro, on ne critique pas. Non, non, DB, ça n'a jamais été le Kokoro, hein. Moi, je critique DB sans souci. Ça me fait chier, hein, mais je le fais, parce qu'il faut être honnête. Après, t'as leur transformation. T'as des pages stylées, hein. T'as des pages. Ça fait pas du tout Dragon Ball, par contre. Des pages qui font pas du tout Dragon Ball. Je veux dire, ça, Toriyama, jamais de la vie de dessiner un truc comme ça. C'est pas Toriyama, c'est pas Dragon Ball. Mais c'est stylé. Mais c'est stylé. En fait, le problème aussi dans ces pages-là, c'est qu'ils sont eux deux dans des nouvelles transformations extraordinaires. Goku Ultra Instinct Maîtrisé. Comment il s'appelle? Vegeta Ultra Ego, je sais plus quoi. Mais comment on dit, dans la chorégraphie des combats, dans comment c'est mis en scène, tu te dis en Super Saiyan 1 ou même en forme normale, c'est pareil. Tu vois pas une diff visuelle. Après, bon, je comprends que ça peut être difficile de représenter visuellement une autre forme de vitesse encore plus rapide. Mais voilà quoi. Enfin bref, c'est désolant. Et après, t'as que de la bagarre comme ce qu'on a depuis au moins 15 chapitres dans ce putain d'arc de merde. Ça jette un truc, son bouclier. Là, je remate là, en même temps, là, parce que franchement, c'est un truc de 50 pages, mais qui se lit en 30 secondes. On sent, ouais, non, on sent pas la puissance, hein. Granola, c'est le plus fort de l'univers, enfin, Gas, c'est le plus fort de l'univers, mais depuis quand? Moro, là, il paraissait beaucoup plus fort. Ça paraissait beaucoup plus intense, les combats avec Moro, je sais pas, c'est. Et ça se finit encore sur un. Ah, en fait, t'as l'impression de mater Luffy Kaido. Ça doit faire au moins 60 chapitres où ça se finit, où ils se regardent comme ça à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que si on remonte comme ça dans DBS dans les 10 derniers chapitres, c'est comme ça, hein. Donc, c'est nul. Faut dire les termes, c'est nul, c'est pas bon. On se fait chier. Vraiment, on est des pigeons de Dragon Ball, donc on continue de regarder en se disant, mais peut-être que ça va devenir bien au prochain arc. J'y crois pas. J'y crois pas. Moi, mon seul espoir, c'est le film. Le film, franchement, de ce que j'ai vu, on en avait parlé dans Kikucho. Ça a l'air de pas voler haut, mais d'être au moins il a l'air d'avoir un semblant d'histoire, et ça je valide, tu vois, je prends, je vois Gohan en avant, petite histoire autour de Pan qui se fait enlever, et Cyborg, je me dis ok je prends. Parce que là pour l'instant Granola c'est vraiment de la merde. Donc bref, on espère que Stark il va vite prendre fin. Parce que c'est nul. C'est le pire arc. Putain, pire arc de DBS, c'est vraiment un truc de ouf. Et voilà, c'est. Je sais pas pourquoi il fait. En fait, il fait traîner sans longueur, je pense, parce que je pense qu'il est obligé de faire traîner ça, parce qu'à la fin, jusqu'au début du film, la sortie du film, donc il fait traîner ça, il fait traîner ça. Je pense que lui-même, il sait qu'il fait de la merde, mais il dit, j'ai pas le choix. Et pour peut-être conclure DBS après le film. D'un côté, je me dis, est-ce que ce serait pas plus mal que DBS se finisse après le film? Genre, c'est fini. Bon, ça me ferait mal au cœur de me dire qu'il n'y aura plus quelque part un peu de Dragon Ball, même si c'est pas vraiment Dragon Ball, ça me ferait un peu mal au cœur. Mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce qu'au final, on ne lui rend pas service. On lui rend pas service, ça nous permet toujours de parler un peu de Dragon Ball, c'est bien. Mais on se fait souffrir pour rien. Donc quelque part, je me dis, vaut mieux y mettre fin. Tu vois, vaut mieux y mettre fin et se dire, ah, ça suffit. Voilà, restons dans le passé, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Bref, même pas si elle va débarquer dans deux. Dans le film, c'est une Golden. Non, non, ils sont pas fous pour faire ramener celle. Non, non, dans le film, ils vont pas. Non, ils vont pas souiller celle. Celle, ils le souilleront pas. Ils ont souillé assez de personnes comme ça. Donc voilà, enfin bref, un chapitre. Osef. Un arc éclataxe. Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein, voilà, je sais pas s'il y a des gens qui veulent venir en parler rapidement là. Vous êtes les bienvenus. Sinon, voilà quoi. On va arrêter cette mascarade hein, parce que je souffre. Pire que le tournoi du pouvoir. C'est vrai que c'était quand même de la merde le tournoi du pouvoir. Surtout en manga. En anime, ça passait. En anime, franchement, ça passait. Il y avait des trucs, tu disais, ah, pas mal. Mais en manga, c'était vraiment de la merde. Quelque part, est-ce que c'est pire que le pouvoir de combat? Ah, ben, au moins, le tournoi du pouvoir, il durait pas longtemps. Tu vois, je veux dire, c'est pire parce que le tournoi du pouvoir dans le manga, il n'a pas duré si longtemps que ça. Hein. Je crois qu'il a fait max. 6 chapitres. Hein. Et en tout cas, il n'a pas dépassé les 10 chapitres, ça c'est sûr. Moins de 10. Là, on est à plus de 10 chapitres, c'est atroce.
Là, c'est un arc quand même qui dure depuis. Le chapitre. Depuis le chapitre 68. Voilà, on est au chapitre 84, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc voilà, bref, les gars, je pense qu'on va se quitter là pour aujourd'hui. Bah, dans tous les cas, ça vous a plu. On like, on partage, on s'abonne. Moi, je vous dis bah à demain, peut-être pour une nouvelle review sur le compte Instagram. Et prenez soin de vous.